Salut à tous, c'est les Sims, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de mon let's play des Sims 2 en compagnie de Jean, Jessica, Lily et Enzo, et je vous retrouve devant la future maison des Bonneaux qui vaut actuellement 43 000 Simplouz, donc la famille en a près 4 000, on va en chier un petit peu pour la voir. J'ai fait des petits tests en vendant la maison dans une autre partie annexe, etc. En gros, il faut que je gagne à peu près 5000 Simplouz pour pouvoir bénéficier de la maison. Donc l'objectif du jour, ça va être de gagner de l'argent. Donc sans plus attendre, on va retrouver notre petite famille Bonneau. Hop là, welcome to home, avec Jean qui fait dodo, Jess qui se lève, ou je ne sais quoi. Elle fait un salut de la main, salut Jess. Lily qui lit le journal sur les WC, et Enzo qui dort dans son lit, pendant que Twister dort par terre dans la salle de bain. Donc Enzo ne va pas tarder à grandir. Alors on a déjà commencé par récolter des sous. Nettoyer les WC, prendre un bain, faire ses devoirs, c'est important. Et voilà, on a gagné quelques petits sous. Ma petite Jess, ouh, ça va pas ma petite Jess, oh là là. Donc oui, nettoie le biberon. Et ensuite, tu vas rien faire de tout ça, hein. Tu vas quand même... Ah ouais, mais avec Lily qui est dans la salle de bain, je sais pas si ça va être possible. Tu vas prendre les restes. Voilà. Et après, tu iras te laver. En espérant que ça passe. Vivement que je sois dans la nouvelle maison où j'ai plusieurs salles de bain. Et voilà, ça ne passe pas. Donc, on va espérer que Jess ne se fasse pas pipi dessus. Qu'est-ce que tu peux manger? Allez, où ma souris? oui, ça c'est sympa. Ma souris, t'es où? Ah ouais, non, mais non, là ça va pas, là. Non, je suis pas d'accord. Non, mais... Je peux rien faire, c'est quoi ce... C'est quoi ce Beans? Bon, je vais couper la vidéo temporairement. Ah non, c'est bon. La souris est de retour. Coup de chance. Pop pop pop. Je ne sais pas ce que tu me fais aujourd'hui, mon petit ordinateur. Tu fais le petit capricieux. Voilà, nourris-toi. Régale-toi bien. Hein. Profite. Ah, et Jean se réveille. Oula, Enzo est en forme. D'accord. Ah, c'est pour ça que Jean se réveille. Tu vas laisser Enzo se lever. En fait, Jean, il va manger d'abord. Voilà. Tu vas laisser Enzo se lever et tu vas te servir, mon petit. Jess, tu peux faire pipi maintenant, tu te laveras après. Je sais pas. Tu fais dans l'ordre des choses. Sois logique un petit peu. Voilà, et Twister, faut la féliciter. D'accord, bon, on peut pas. Je lui enseigner un ordre, parce que je connais le prochain ordre de sa promotion. C'est pratique d'avoir un double de partie. Et, ah, oh, Enzo va se mettre à grandir. Brave petit Enzo qui grandit. C'est ton anniversaire. Hop là, Enzo est devenu grand. Enzo est aujourd'hui un enfant. Lorsqu'il était bambin, Enzo a atteint le niveau d'aspiration petite merveille. Pas mal. Encore un petit effort. Le plus dur reste à faire. Ok. Eh bien, Enzo, tu es grand. Donc, Enzo, on va commencer par... Toc. Toc, j'ai plus besoin de tout ça. On va enlever les petites merdouilles. Voilà, ça fait des sous. C'est impeccable. Et je vais t'acheter un petit lit. Que tu puisses dormir quand même, mon pauvre.
Pop, 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 pop. Tut, tut, tut. Voilà, t'as acheté celui-là. Tu l'auras dans la nouvelle maison aussi, également. Hop, hop. Voilà. Ça, tu peux dormir. Tu dormiras dans la chambre de tes parents en attendant qu'on déménage. Et Enzo, tu as des aspirations. Être meilleur ami avec ton papa, féliciter Twister, se faire un ami. D'accord. Déjà, tu vas être meilleur ami avec ton papa. Et tu veux acheter une table de flip. Ah, t'es pas de la gueule, toi. Qu'est-ce que tu fais? Demander une histoire. Oh, c'est mignon. Et Lily, bien sûr, va lui donner une histoire. Après, Enzo, tu vas venir avec moi, on ira faire un petit tour au miroir. Hein. Voilà. Il était une fois, dans un monde imaginaire, voilà. Avec les pieds de Jean, c'était sympa. Qu'est-ce que tu fais, Jean? Tu vas dormir. Oui, t'as raison. De toute façon, tu travailles pas aujourd'hui, donc oui, va dormir. Mais pas ici. Va dormir plus loin. Voilà. Twister, tu vas bien, toi? Ouais, c'est nickel. Jess, bah du coup t'en es où Jess? Twister a été promu, d'accord. Placer Enzo en école privée, oui ça va pas être évident. Jess, tu vas nettoyer. Voilà. Jean, tu vas dormir, faire pipi, tu vas te laver. Et puis tu vas prendre les restes. Voilà, ça sera fait. Lily, tu as faim, tu as besoin de te distraire. Donc après la petite histoire, tu vas jouer de la country. Voilà, et après, bien sûr, tu vas manger. Et petit Enzo, qui a grandi. Voilà. Tu vas utiliser les WC, tu vas nettoyer. Tu vas commencer un petit peu à prendre les corvées ménagères. Et tu vas... Hop, hop, hop. Non, tu vas pas manger maintenant. Tu vas étudier un peu. Voilà. Fais voir ta sismologie, toi. Donc, tu es soigné. Ça, c'est super. Tu es extraverti, tu es actif, tu es complètement sérieux et tu es grognon. Et t'aimes quoi? La mode. Ok, la nourriture. Ok, les loisirs, d'accord. Les animaux. Ok, t'aimes bien parler d'animaux. T'aimes bien parler de voyages. Et la science-fiction. D'accord. Passe-temps, les sciences. D'accord. Allez, l'histoire est finie. Et Lily, tu veux devenir un loup-garou? T'es pas bien, toi? Je sais même pas comment on devient un loup-garou dans les Sims 2. Donc si quelqu'un en commentaire vient me tuyauter sur comment devenir un loup-garou. Ma petite Jess, tu vas enseigner un ordre à... Non, Jess, t'as fini tes trucs, tu vas enseigner un ordre à Twister. Tu vas lui apprendre à rouler. Et waouh, on a déjà de l'argent. Voilà, Enzo, il apprend, c'est nickel. Et oui, avant d'aller dans le télescope, Enzo, tu vas... Voilà. Voyons comment qu'on peut te transformer. Tioc. Alors, j'ai plein de coupes sympas. Boum, 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 boum. On te met les cheveux blancs comme ton père? Ah, ça pourrait être sympa, ça. Mais je sais pas. Alors, on a, c'est suivant en plus, c'est suivant les couleurs de cheveux. Ping, 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 ping. D'accord, ouais, on n'a pas des masses, hein. J'aurais dû télécharger plus sur TSM.
Ouais. Non, peut-être pas un pirate. Les pirates, c'est ailleurs. Ouais, je vais te mettre comme ça, tu vois. Voilà. Est-ce que j'ai la même avec les cheveux blancs? Ouais, j'ai la même avec les cheveux blancs. Bon, je vais te laisser en cheveux bruns pour l'instant. Puis si les fans ils veulent des cheveux blancs, bah on mettra des cheveux blancs. Voilà. On va te choisir ta tenue décontractée. Oh, va falloir aller faire du shopping, hein. Tenue normale. D'accord. qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, Enzo? On va te laisser comme ça parce que je vais peut-être pas t'habiller en bruit canard, hein. Ça fait, c'est un style, hein. Mais non. Voilà. Tu vas garder ça. Voilà. Et tu vas regarder les étoiles. Et on ira faire du shopping tout à l'heure. Ah, Lily, tu t'éclates? Quelle bonne idée j'ai eue de m'essayer aux sciences, c'était très amusant. Bah oui. Twister, tu apprends à rouler? Lily qui gère tout. D'ailleurs, Lily, je voulais te faire faire un autre truc aussi. Appeler l'université. Enzo gagne un point de logique. Hop, ça c'est fait. Voilà. Tu veux te faire des amis, bah, tu te feras des amis plus tard. Tu vas manger les restes. Et Lily, tu as faim. Hop là, c'est parti. Ah, c'est pas vrai. Décidément, ma souris. Hein. Voilà. Bah oui, hein. Et du coup, bah y a plus rien, donc genre tu prendras pas les restes en fait. Hein. Tu vas servir. Ah ouais, puis y a plus rien dans le frigo, je crois. Si tu serviras le, déjeuner. Ou plus tard, parce que là c'est encore la nuit. Lily, tu vas appeler un livreur. Voilà. Alors vous deux, je vais vous faire complice. Hein. On va préparer des bêtises, tous les trois. Voilà. Alors Enzo, tu es... C'est bien Enzo. Tranquille Enzo. Tu vas prendre un bain, tu vas nettoyer la baignoire. Tu veux féliciter Twister, je vais te faire un ami. Tu veux toujours ta table de pub. Tu veux pas autre chose comme souhait, t'es chiant. Parce que féliciter, on peut pas trop là. Fais rien de spécial, Twister. Voilà. Lily va récolter les Simflouzes. Donc je pense à mettre l'arbre dans l'inventaire avant de déménager. Nickel. Demander une bourse. Félicitations, Lily. Vous vous qualifiez pour la bourse des érudits de Sim City. Vous conservez des... Si vous conservez ces excellentes notes, vous obtiendrez une bourse de 1000 Simflouz pour votre prochain semestre université. Ça, c'est bon. Et félicitations, vous avez qualifié la bourse pour les inesthétiques des arts visuels. Si vous conservez ces excellents scores de créativité, vous obtiendrez une bourse de 750. Et alors encore mieux parce qu'elle adore jouer. Et du coup, Jess est totalement aspirée. Pourtant, elle a rien de spécial. Appelez l'épicerie. Je dois avoir un bug. Acheter, hop là, de la nourriture. Gagne un point de nettoyage. C'est super ça. C'est bien petit Enzo. T'as raison Lily, danse. Danse avec les loups. Et tu vas boire un petit peu d'élixir de vie, Lily.
Hop là. J'ai dû rallonger ma vie de quelques jours. Oui, en effet. Voilà. Tu vas accepter une livraison. Enzo, il est tard. Quand il va être temps de dormir un petit peu. Voilà. Et Jean, fais tes trucs. Pendant que Lily accepte la livraison, impeccable. Puis Jean, après, tu vas servir le petit déjeuner. Tu vas servir des crêpes. Et Lily, ce serait bien que tu ailles te reposer, ma cocotte, parce que demain, l'école, ça va être dur, sinon. Ah. Les essais se sont bouchés. Ce sera pour Jean, parce qu'il faut qu'il étudie la mécanique. Donc, voilà. D'ailleurs, tu vas les déboucher avant de faire tes besoins. Avant de marcher. Impeccable. Jess, c'était quoi que je voulais te voir, toi? C'était... La logique. Tu vas chercher des constellations, Jess. Allez. Avec un peu de chance, ça va récolter des sous. D'accord, t'as arrêté. Ok, Jess, tu vas... On va éteindre la chaîne. Tu vas bosser, toi, après. Et tu vas faire une sieste. Un petit peu de calme. Ah, ça fait du bien. Et oh, Twister pue ou le panier est sale. Bouillou les enfants, le dîner est servi. Papy Bono, il a tout préparé. Donc après ta sieste, Jess, tu iras manger. Lily, tu iras manger aussi. Enzo, tu iras manger aussi. Puis bah Jean, tu vas manger. Voilà, impeccable. Tu mettras les restes de côté. Et mon petit Jean, tu vas étudier la mécanique. Donc tu pètes le feu. Ordonner à Twister de venir au pied, ordonner à Twister de ne pas bouger. C'est nickel ça. Lily va à l'université, mais bah ça attend un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Bien. T'as tout fait, Jean? Waouh! T'as pas rangé ton assiette, petit vilain. Voilà, pendant que Jean est de super bonne humeur, on va profiter pour lui faire gagner son point de compétence. Après, il faut que je lui fasse gagner un point en physique en plus. Plus on aura des promotions, plus vite on ira dans la belle maison. Voilà, vous deux, je vous vois venir pour les bêtises, hein. Jouer, qu'est-ce que vous voulez faire? Lancer de la nourriture, c'est sympa ça. On va tester. Voilà, je me mets en mode, voilà. Devant leur mère en plus. Bravo! C'est un malin. Je sens que je vais adorer cette action. Alors Lily, tu as quoi? Tu veux gagner un point de compétence? Tu veux jouer de la guitare? Ok. Bah t'auras pas le temps. Faire le lit. Lily. Déjà vous allez à l'école dans peu de temps là. Et Jean il apprend tranquillement. Ça c'est super.
Jess, tu travailles toi aujourd'hui? Oui, tu travailles tout à l'heure. Donc Jess, ce serait bien que tu aies un petit peu plus la pêche. Voilà. Pop, pop, pop. Bon, vous vous dépêchez tous les deux. C'est le problème dans les Sims 2, c'est qu'ils passent tellement de temps à parler dans les repas qu'ils mettent 3 plombes à manger. Et du coup, bah, faut surveiller. Sinon, ils loupent l'école ou les journées de travail. Voilà, Nenzo, il est parti à l'école. Et Lily va suivre juste après. C'est très bien. Jess, tu vas nettoyer le panier, tu vas prendre un bain à bulles. Ensuite, tu iras faire une sieste encore. Tandis que Jean... Twister est parti au travail, c'est impeccable. Jean, il a presque gagné son point de compétence. Puis Jean, je vais te relooker aussi. Hop. Ça, c'est fait pour Jean. Changer d'apparence. Et ben voilà. Et choisir sa tenue décontractée. Hop, Jean, il est revenu en mode normal. Il avait marre de la sorcellerie. Jean, tu vas faire ton pipi. Et tu vas appeler les copains un peu. Appeler tututup Sim. Puis ensuite, je sais pas, tu vas sauter à la corde. Tiens, intermédiaire. Alors, c'est que je peux appeler une amie ou un ami. Bom, 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 bom. Voilà. Juste discuter. Voilà, ça lui a remonté son social. C'est super. Un véhicule passera chercher Jess dans 1 heure. Câble. Le professeur de musique demande à Lily de choisir un instrument qu'elle va étudier. Lily doit-elle choisir le violoncelle ou la trompette? Bah, le violoncelle, c'est bien mieux. Lily s'est toujours sentie fascinée par l'art subtil du violoncelle et décide d'apprendre à jouer de cet instrument. Ses doigts survolent les cordes avec une maîtrise folle et toute la classe est impressionnée. Lily a du goût pour la musique et de la danse. Ok. Jeff, tu vas apprendre les restes. Hop là. Ah, Enzo, il est complètement inspiré, c'est super. Allez, Jean, c'est suite, c'est parler avec la crocodile. Un peu de sport, ça fait du bien. Hop. Et revoilà Lily, déjà. Bon, je suppose que tu as eu une bonne note. Tu veux gagner un point de compétence, d'accord. Eh ben, tu vas... Ma cocotte, tu vas faire tes devoirs. Ah, si je peux. Aujourd'hui, il y a des... D'accord. C'est extra sensible, ce truc. Voilà. Puis tu vas jouer de la guitare. Tu vas gagner de la créativité, un petit peu. Ah bah, il y en a des flaques ici. Tout ça, c'est Twister. Jess, parti au travail. Impeccable. Il reste plus que Jean. Allez, Jean! Une, deux. Eh, hey Jean, qui c'est qui t'a dit d'arrêter? Tu vas me refaire de l'exercice, hein, Jean. Je n'ai pas fini avec toi comme ça, non, mais attends. Et... Oh, une neige! Et non, il peut plus. Ah! Oh
Bah si, il peut. Dormez. L'arbre à Saint-Flouz est déjà prêt. Waouh. Ah bah c'est Enzo qui va récolter les Saint-Flouz, tiens. Bien sûr, Enzo, tu vas faire tes devoirs. Tu vas les faire avec ta sœur. Ah, mais t'es pas distrait, toi. Tu vas jouer d'abord. Voilà, tu vas jouer aux jeux vidéo. Impec. Lily, tu as joué de la guitare, c'est super. C'est quoi ton souhait là? Boire un loup, d'accord. Demander de l'aide aux devoirs. Bah c'est un peu trop tard là. Bon, Lily, ce que je peux te faire faire, c'est ça. Trouver un travail. Et oh, Twister a eu une promotion et j'ai déverrouillé un pelage. Et on déverrouille des pelages en gagnant des promotions pour les chiens. Alors, poste de doublure. Votre animal n'aura plus à se contenter de scènes bruyantes avec des animaux inconnus. Elle va enfin pouvoir jouer. Votre animal doit apprendre à rouler pour pouvoir devenir cascadeuse. Comme par hasard, j'ai appris à rouler. Et gagne 226 plus par jour et une prime de 440. C'est super! Je suis arrivé à avoir mis 9000 Team Plus avant la fin de l'épisode. Jean, mais qu'est-ce que tu fais, Jean? Tu vas dormir là-dedans, tout de suite. Oh, chier. Voilà, Enzo s'amuse. Hein. Être plus simple. Il y aura plus de distractions comme ça, je pense. Jessica s'apprête à rentrer chez elle lorsqu'un de ses collègues qu'elle n'apprécie pas vraiment lui propose d'aller regarder les étoiles. Enchantée par la perspective d'observer des ciels étoilés, Jessica se demande si elle doit accepter sa proposition émanant d'un collègue qui lui est indifférent. Ne pas aller regarder les étoiles, mais... Oups. Déçue que Jessica n'aide pas, ce collègue lui demande si elle peut quand même lui emprunter ses jumelles. Malheureusement, elle les égare au cours du trajet. Et Jessica doit débourser 105 plus pour y embasser. Connard! Et Twister, tu fais quoi, Twister? Bah, Twister, qu'est-ce que toi? Oh! Puis je peux rien te faire faire en plus, c'est ça qui est pire. Lily, tu vas laver Twister. Allez! Pendant que le petit Enzo. Il va aller faire ses devoirs. Alors, il y a une carrière dans l'opportunité danse comme professeur d'aérobic. C'est sympa ça. Journalisme, superviseuse au club de l'Almana. 57 simpouces par jour. De 15h à 18h. Donc juste après les cours. Ouais, non, j'ai dit, je te vois mal, journaliste, je sais pas pourquoi. Force de l'ordre, ouais, non. Voilà. Oups. Et tu vas refaire chercher un travail, et je vais te mettre en journaliste. Tant pis. Ça fera des sous. Ça va augmenter la difficulté un petit peu parce que Lily elle a réussi trop facilement quoi. Bon Jean, t'as assez dormi. Hein. Gagner un point de compétence. Hop. Ah oui. Bon, c'est pas grave, Jean va là. Enzo, t'as fini tes devoirs? C'est super ça, Enzo. Enzo, tu vas pouvoir prendre les restes. Voilà.
Et Jessica a eu une promotion. Ouais, il manque plus qu'à 1500 simpouses. On va y arriver, on va y arriver. Jessica a reçu une promotion qui fera le poste de monteuse de personnage. Ouh. Travail répétitif ne vous fait pas peur et vous gagnez des niveaux plus rapidement que n'importe qui. Concentrez-vous sur le prix et évitez toute distraction pour rester dans le jeu. Ok. 10h, 18h, 763 simpouses de la journée et une prime de 1520. Ça valait bien la peine d'en débourser 100 pour des jumelles. Hein. Et elle a ramené encore un collègue. Oh. Alors, Jess. Voyons, Jess. Il te faut 5 amis, c'est bon. Tu les as. Petit besoin. Énergie. Ouh, Jess, t'as besoin de dormir. Jess, tu vas dormir. Oh, c'est mignon! Enzo qui est venu lui faire un câlin. Lily! Lily, tu vas étudier, non. Tu voulais faire quoi? Tu voulais apprendre un ordre à Twister. Encore? Twister, quoi. Attendre un peu, on va prendre un ordre. Tu vas étudier la cuisine un petit peu, tiens. Hop. Ça te fera du bien de cuisiner. Oh, mais Enzo, t'as un lit. C'est bon, quoi. Donc, Enzo, tu prends les restes. Et après, tu vas dormir. Juste en week-end, c'est bon. Vas-y, un plat, voilà. Oh, tu s'éclates dans les feuilles. Lily a appris à gagner un point en cuisine. C'est bien, Lily. Ah oui, Lily, tu commences à être douée en cuisine. Tu vas nettoyer la gamelle, tu vas la remplir. Voilà, tu vas nettoyer ça, tu vas préparer, tu vas servir le dîner, tu vas faire des spaghettis. Enzo, il est inspiré, donc avant d'aller dormir, il va arroser l'arbre, il va récolter les cibles et il va dormir. Voilà. Est-ce que j'ai de la facture, moi? Ouais. Hop. Hop là, Lily a encore gagné un point en cuisine. Bah décidément, t'arrêtes pas. T'arrêtes de tout gagner comme ça, toi. T'as même pas besoin de la casquette. Voilà. Et puis Jean, je pense qu'il va manger en rentrant. Hein. Tout à fait. En rentrant, Jean, il va manger. Ben, voilà. J'ai vu un truc là. Ah. Ah, c'est excellent ça. Jean, il va faire de la téléportation. C'est la journée des opportunités. Le musée d'art classique de SimCity arbitre en ce moment un célèbre diamant sur lequel Jean s'est engagé. Oula, la dernière fois que j'ai fait celui-là, je crois, c'était il y a 4 ans et je me suis fait renvoyer. Mais il y a un petit souci, il est protégé par une bonne douzaine de rayons laser reliés à un système d'alarme perfectionné. Jean déteste les rayons laser, mais il est hors de question de laisser tomber l'affaire. Car le client est généreux et susceptible. Il peut choisir la méthode achromatique ou essayer un nouvel outil qui vient d'acquérir une arbalète à ventouse. Si l'on en croit la brochure fournie par le vendeur, on devrait parfaitement convenir à ce genre de situation. Ouais, si on en croit la brochure. Alors, est-ce qu'il va faire des acrobaties ou est-ce qu'il va faire arbalète? Toum, 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 toum. Allez. Oula, oh, j'aime bien ça. Jean se lance dans un numéro de gymnastique chromatique digne des Jeux Olympiques et parvient à atteindre le diamant sans déclencher l'alarme. Ouais, je savais qu'il fallait pas croire la brochure. Publicité mensongère. Il se demande pourtant un instant pourquoi les rayons sont toujours installés en grille horizontale, alors que s'il formait un mur infranchissable, ce serait plus efficace. Mais bon, ce n'est pas lui qui va s'en plaindre. Jean gagne un point de physique, c'est super. Donc du coup, ça lui fait une promotion. Pour son exploit, revend le bijou pour la coquette somme de 20 000 simclouz. Ta-da-da!
ce qui fait que je peux les déménager. Ma petite Lily, tu vas mettre ça de côté. Tu vas nettoyer le comptoir. Tu peux pas nettoyer. Si, tu peux nettoyer la gazinière, tu vas la nettoyer aussi. Les gens. Voilà. Ordonnez à Twister de venir au pied. Twister ne pas bouger. On va juste garder celui-là. Enzo à 20 sur 20. Lily gagne un point nettoyage. T'arrêtes Lily hein, maintenant, ça suffit. Tu gagnes plus de points. T'en as déjà gagné 4 aujourd'hui, ça commence à bien faire. Si ce n'est pas 5. C'est ça, à plus. Oh, Lily est revenue dans le vert, ça faisait longtemps. Je t'avais pas dit de chercher un travail, toi? Ouais. Hein. Félicité pour, on n'a pas monté sur lui. Danse comme professeur d'aérobic. Ah oh oui, ça fait des sacrés simflous. 16h-19h. Remarque que c'est pas mal. Ça fait juste après les cours. Ouais. Allez, tu vas être prof de danse. Hop, tu vas féliciter pour ne pas monter sur le lit. Sniglu. Et tu vas les reprendre à faire le mort. Apprends à Twister à faire le mort. Oh. D'accord, t'es... Twister est pas d'humeur. C'est Twister, tu peux aller mâchonner les trucs, hein. Du coup, c'est génial parce que je vais pouvoir aller faire déménager. Et j'avais revendu mes trucs. En fait, j'ai rétrogradé ma maison pour rien, du coup, dans les autres Sims, faut que je remette la maison originale. qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'était pas ça. Voilà. Du coup, impossible de prendre cela, bien sûr. Voilà. Inventaire. 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 Voilà. De toute façon, on s'en sert jamais, donc c'est bon. Tac. Inventaire. C'est tout ce qu'il y a. Ah si, je vais prendre la console. Et la télé. Inventaire. Et inventaire. Voilà. Ça, ils pourront aller dans la nouvelle maison. Et en plus, genre une promotion, histoire de ramener encore plus d'argent. Je crois que j'ai jamais eu autant d'argent dans cette famille. Genre, et aussi une promotion qui prend le poste de faussaire. Pourquoi se fatiguer à voler de l'argent quand on peut le faire soi-même? Vous commencez à être réputé dans votre domaine et votre expertise est très demandée. Mieux vaut garder la forme. Vous pourriez être amené à voyager prochainement. C'est super ça. Jean travaillera désormais de 9h à 15h. Ah oui, sachant qu'il est 3h du matin, s'il reprend à 9h, ça va faire chaud.
Jean a gagné 1064 inclus et une prime de 2128. Jean est un naturel avenant et a ramené un collègue de travail. Commencez à m'énerver avec vos collègues de travail, vous. Du coup, Jean. Wouah! 2 points de créativité et un point de physique encore. D'accord. Et tu travailles pas aujourd'hui, tu es en week-end. C'est bien. Voilà, payez les factures. C'est impec, je vous remets de bonne humeur et après je vous déménage. Ouais, Twister, tu sais que tu peux mâchonner tes objets si t'as, si t'as envie de mâchouiller. Ah oui, d'accord, t'es dans le mauvais sens ce truc. Ok. Allez, Twister. Voilà, là-dessus. Bah, Lily, tu fais pas de dos, toi? Ouais, bah, c'est... Allez, dors. Jess, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais aller faire pipi? Raté. Et voilà, le fameux sort de téléportation qui ramène Jean dans le neutre en plus. Twister a envie de faire ses petits besoins. Du coup, je peux pas lui apprendre d'ordre maintenant. C'est bien dommage. C'est pas grave. Nettoyer. Nettoyer. Tu vas te laver les mains. Tu vas te laver le visage, tu vas te laver les dents. Ça y est, c'est bon. On est tous de bonne humeur à peu près. On est tous dans le vert en tout cas, par ouais, même Twister. Et... Oh, une histoire pour Renzo. Hop là, donc moi je vais pop dans le quartier. Voulez-vous sauvegarder votre partie? Oui. Je veux save ma partie. Voilà. Ah, oh, j'ai oublié de mettre la voiture dans l'inventaire. Tant pis, ça fera plus de sous. Comme ça, je conclue l'épisode sur le déménagement. Déménager la famille. Déménager la famille Bueno. Les biens personnels seront vendus en échange de Simplouz et la famille d'arrache des récompenses acquises jusque-là. Sauf les objets placés dans l'inventaire. C'est bien fait. Hop! La famille a déménagé, et on va dans la maison que j'ai construite. Hop là. Alors du coup, vous avez combien là? 62 000 Simplouz, ça va. La vie est belle. Et là, Benzo, on croirait qu'il a les cheveux verts. Il s'est fait une teinture pendant le déménagement. Il avait envie. Du coup, bien ceux qui suivent ma page Facebook, vous avez pu déjà voir la maison pendant que je la construisais grâce aux photos. Et puis, bah, pour les autres, eh bien, ce sera de la découverte. Alors, la maison a un petit peu changé par rapport aux photos que j'ai mis, comme je l'ai rétrogradée pour qu'elle vale du 43 000 Simplouz. Et en fait, du coup, elle est mieux. Bienvenue à la maison des bonos. Alors, la maison des bonos, du coup. Donc ça, ça fait pas partie de la maison, c'est à côté. C'est de la déco que j'ai mis avant l'épisode, histoire de modifier un peu la ville. Donc la maison des bonos. On a le devant.
avec petit truc à l'entrée, une petite table là. J'imaginais, pendant que je construisais, j'imaginais Jean faire coucou aux gens qui passaient, assis sur sa chaise, en mode vieux. Je vais découper les murs. Voilà. Donc nous avons ici, donc ouais, j'ai mis tous les meubles bas de gamme pour qu'ils puissent l'acheter facilement. Donc la chambre de Jean et de Jess, que je redécorerai plus tard quand ils auront plus d'argent, parce que là l'argent je vais le garder en fait pour faire bon voyage. Donc ils vont voyager dans le prochain épisode, après avoir été faire du shopping pour Enzo et pour Jean aussi. La chambre de Lily. Donc pareil, il faut que je redécore aussi, que j'achète plus de meubles mieux, quoi. Une salle de bain. Ici, à la base, j'avais mis un truc pour qu'ils puissent jouer en famille, mais comme c'était pas mal cher, je l'avais enlevé, donc je le remettrai plus tard. Une fléchette. Un petit balcon pour la chambre de Jean et de Jess. Il y avait un télescope là à la base, mais pareil, je l'ai enlevé. En dessous, hop là. En dessous, donc nous avons la cuisine. Vraiment la cuisine bas de gamme, là. Vraiment que je la refasse mieux quand j'aurai plus de sous. Ça dépendra de ce que je dépense à mon voyage. Une autre salle de bain. La chambre de Enzo. En fait, Enzo, je crois que c'est le plus gâté pour ce qui est chambre et meubles, parce qu'il a une super chambre. Je lui ai fait en plus un truc sur le thème de l'astronomie. Je trouvais ça sympa. Il y avait des lits astronautes et tout le bordel. Je me suis dit, allez hop, soyons fous. Le salon. Donc voilà pourquoi j'ai pris la télé. J'avais une télé bien pourrie. Et la console, parce que là j'en ai pas mis. Et en fait, il leur faudra une chaîne Hi-Fi, je pense. L'entrée. Et enfin, une terrasse, donc pour qu'ils puissent manger là, qu'il me fera une table plus grande, je pense. Là, la table, elle est un peu pourrie. Avec les tables d'extérieur, elles sont pas top. Hein, ici, un petit auvent, je me suis amusé à faire. Et plus tard, donc ça fait partie de la déco. Plus tard, je compte mettre une piscine par ici. Puis, je voulais faire un potager, mais je me souviens qu'il était long à faire, bien chiant, donc je ferai pas de potager. Enfin, voilà. Du coup, bah, moi, je vais mettre fin à cet épisode pour aujourd'hui. Ça va bientôt faire 50 minutes. J'en profite pour remercier tous les abonnés de ma chaîne. On a dépassé, j'ai dépassé les 100 abonnés à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et pour le coup, en fait, j'ai envie de faire une vidéo spéciale pour vous. Donc, je vous invite à me demander la vidéo de votre choix. Donc, soit un truc spécial des Sims 2 avec une des familles, des villes comme les gothiques, j'ai déjà fait, mais comme les Caliantes, les Prévosas, etc. Ou par rapport à un disque additionnel comme Université, La Bonne Affaire et tout ça. Un let's play des Sims 3 éventuellement, comme j'ai arrêté des Sims 3 parce que je m'ennuie un peu en jeu, mais je peux faire un effort. Un autre épisode des Sims médiéval, ou je sais pas, un truc sur la construction, ou un tuto sur comment améliorer son PC. Enfin bref, je vous laisse le choix. Vous mettez ça en commentaire, soit sur ma page Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. De toute façon, je verrai les commentaires. Et je choisirai en fonction du nombre de commentaires. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour un épisode des Sims médiévales avec Gunégonde et puis ma petite voix off. Ouais, avec moi. Oui, tu vas pouvoir sortir de ton placard et puis commenter la vidéo. Et est-ce que je peux jouer avec Jean Et Bonneau? non, c'est bon, tu peux retourner dans le placard maintenant. Non, je reste un peu. Et puis bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager et à commenter si le cœur vous en dit. Voilà. Allez, à ciao, ciao. Au revoir et bisous.